Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une petite expansion slash module de 20 Strong, donc le module Too Many Bones. Donc ça vient dans un petit paquet comme ça, qui ressemble beaucoup à ce qui était fourni avec le Solar Sentinel. On a juste ce petit carton-là, une petite carte qui est de plus en arrière qui nous dit qu'il y a 69 cartes plus un livret de règles et cette carte-là qui fait 70. Donc, tout simplement, on va ouvrir ça ensemble. Ah, donc, la petite boîte toujours bien, bien pleine. Donc, on va essayer de tout sortir ça. Et ça devrait ressembler, je pense, un peu à ce qu'on a déjà vu avant. Donc, on a le petit feuillet d'instruction, donc qui ressemble beaucoup à Solar Sentinel. Donc, la même façon, on a l'historique, on a comment ça se place, qu'est-ce qui est quoi, où. Avec ça comme ça. Ça, c'est de l'autre côté, étrangement. Donc, on a ça. Et de l'autre côté, ben le feuillet est quand même un peu plus long que Solar Sentinel, donc pour ce module-là. Les cartes, quant à elles, j'essaie de voir, ça a l'air d'être les boss, donc des boss de 20 Bones. Donc on a Cinder, Numb, Oxide et Barnacle. Et de l'autre côté, donc c'est la même chose, mais c'est un setup, donc qui est là pour chacun des boss. Donc ça comme ça, je vais laisser cette carte-là dans le fond du paquet de toute façon. Par la suite, on a une carte universelle qui a l'air d'être pas mal la même chose des deux bords. Non, même pas. Major Lockpick. Puis l'autre bord, c'est Schisme. Par la suite, on a des héros. Donc on a Gasket. On a Patches. On a Nugget, on a Figment, on a Duster, et c'est la même chose, j'allais dire, l'autre côté, mais avec quelques petites stats différentes. Donc, il y a rien que Patches qui était du jeu de base, donc de Too Many Bones. On a ça. Après ça, j'essaie de voir s'il y a un sens sur les cartes, mais donc on a, je pense que ça va être dans ce sens-là, il y a 8 tentacules, donc tentacules 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 8. Et de l'autre côté, donc fancy meeting you here. It takes two to make a thing called fight. I think we made a wrong turn, mais c'est tout en petit brillant là. Really thick skin, fire and brimstone in this economy, legendary halfling. Is there a backup plan? Backup plan? The big baddie breakup. Puis on retourne avec ça. Donc voilà. Par la suite, on a les Molnor Encounter. Donc Knock Ebonit Goods. Exhausting Conversation. Cartographer's Nightmare. Dangerous Dart. Par la suite, on a quelques cartes oranges. Donc qui sont ça ici. Lightning on a Stick. Gadget Armor. Small Spotting Scope. Recyclable. Et on a de l'autre côté Recyclable. Small, ok, donc le coffre à ouvrir. Small Spotting Scope. Gadget Armor. Lightning on a Stick. Donc pour les réussir à les récupérer. Après ça, on a une série de cartes comme ça. Donc on a des 5. Est-ce que c'est toutes des 5? Donc c'est des baddies. Donc, comme les jetons dans Too Many Bones, donc les jetons 5, les unités de 5. Donc, Stone Golem, Scorpion, Eliminator, Doom Experiment, Orc Rager, Orc Shaman, Dire Wolf, Miniphage, Kobold Lieutenant, Kobold Elite, Troll Brew Master, Troll Savant, Goblin Sapper, Goblin Artificer. Puis on retourne avec le Stone Golem. Donc ça, c'était les 5. Il y en a une série de 1 qui sont jusqu'à la fin. Donc, une bonne pile. Bog Ribbit. Clay Golem. Vile Mushroom. Lab Escapee. Troglodyte Scurrier. Koboldite. Dork. Orc Grunt. Orc Deserter. Timid Géophage, Old Bear Cub, Dire Wolf Pup, Dragon Whelp, Dragon Beady, Kobold Tenderfoot,
Troll Hermit, Tipsy Troll, Troll Romper, Goblin Broadcaster, Goblin Devastator, Goblin Bomber, Pantherfish, Krelp, Krellin Dark Stalker, Krellin Lurker, un G800, donc comme un T800, donc Terminator, Mech Polaris, Modified Farm Equipment, Abomination Prototype, Bog Ribbit, Clay Golem, Vile Mushroom, et on recommence, donc j'ai recommencé tout ça. Donc c'est ce qui est fourni dans ce petit deck de cartes, donc pour le module de Too Many Bones pour 20 Strong. Donc c'est achetable à part, donc ils n'ont pas fait un starter avec ce deck-là inclus. Faut vraiment, c'est vraiment lui, vraiment tout seul à côté. Donc voilà, c'était le déballage de Too Many Bones. Bye bye!